4 balles de Colt et 3 balles de carabine. Cela représente la mort de 2 hommes. Tué par qui? À mon avis, par Gu, qui a employé la même méthode que pour Francis Le Bancal il y a 15 ans. Regardez ce type. Il est plus dangereux que jamais. Gu s'est évadé. Gu, c'est Manouche, c'est Alban. Alban, c'est le garde du corps de Manouche et au pistolet, il casse la patte d'un corbeau à je ne sais plus combien de mètres. Voici Manouche. De mauvaises langues diront que Jacques, le notaire, avait un sentiment pour elle, mais où serait le rapport, je vous le demande. Toi, c'est Paul et c'était Jacques par ricochet. Mais Jacques, c'était Manouche et Alban. Tu sais d'où je viens et tu sais ce qui m'attend, non? Qu'est-ce qui t'attend? Attachez-le au radiateur, regardez-le à trois. On aborde un drôle de tournant. Il arrive quelqu'un de nouveau et tout change. 500 kilos de platine. 5 parts de 200 millions chacun. Maintenant, il est raide. Et il ne quittera certainement pas le pays comme ça s'il peut faire autrement. Et on peut toujours faire autrement. L'affaire est pour le 28 décembre. Si Gu a dénoncé Paul, il mourra. Je n'ai rien à ajouter. Pas avant d'avoir établi la vérité sur moi. Il lui faudra bien un mois et demi ou deux avant de pouvoir prendre le large. Bon, maintenant voyons pour les autres. Je ne bouge pas, Antoine.